Merci de vous informer sur Midi 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Elle est la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire. Son nom, Makamara. Elle vient d'obtenir le prix d'excellence pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. Professeure de journalisme, rédactrice en chef, présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Makamara est avec nous sur Midi 1. Okay. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le CV il est assez long, on ne pourra pas le dérouler ici. Alors, à quel moment vous décidez d'embrasser ce métier, autrefois consacré uniquement aux hommes? Alors, à quel moment je décide, c'est par frustration. Par frustration parce que j'avais un caméraman qui était toujours en retard, qui n'était jamais à l'heure lors de la programmation des interviews. Et j'avais déjà fait la réalisation cinéma, donc je savais déjà manipuler la caméra. Je savais déjà, c'était point bon de montage. Et un matin, par frustration, j'ai décidé de récupérer l'ordinateur, la caméra et l'ordinateur. J'ai fait mon tournage, j'ai monté et j'ai balancé. C'était apprécié, c'était vraiment apprécié par ma rédaction, Dieu merci. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et après je me suis formée sur le plan académique, tout ça pour être cette première femme. Je ne savais pas que je devenais la première femme journaliste, reporter d'images et c'est vraiment par la force des choses que ça s'est imposé. Ah, alors vous êtes l'une des premières femmes journalistes, reporter d'images en Afrique et en Côte d'Ivoire, vous êtes la première. C'est une découverte pour vous dans un métier d'homme. On ne va pas dire que le métier est quelque part phallocrate, mais quelles ont été les premières difficultés? Alors, à votre niveau, en tant que femme? En tant que femme, au fait, déjà prendre la caméra et quand on vous voit déjà tourner, en tant que femme, tous les regards sont sur vous. Hein. Tous les regards sont sur vous. Il existait des femmes caméra-woman, mais il n'existait pas de femmes journalistes reporters d'images. Il faut faire la différence. Le journaliste reporter d'images, c'est celui qui est en même temps journaliste, caméraman, monteur, preneur de son, lampiste, tout ça. Donc vous regroupez en vous tout seul au moins 5 métiers de rédaction. Pour ne pas dire que vous êtes une rédaction à vous tout seul. Donc je n'ai pas eu vraiment de difficultés dans ma carrière. Pas vraiment. Parce que je suis tombée sur des hommes qui ont décidé de m'accompagner, de m'aider. Et c'est comme ça que j'ai pu exceller dans ce métier. J'étais la seule femme parmi des dizaines d'hommes, donc ils étaient obligés de m'accepter et de m'accompagner. La difficulté, c'est souvent quand vous partez sur le terrain de conflit. Votre rédaction ou bien vos patrons ont souvent peur de vous envoyer sur les terrains de conflit parce que vous êtes une femme. Donc souvent il faut pouvoir les convaincre, il faut pouvoir les rassurer pour dire que vous pouvez peut-être aller tourner toute seule et revenir. Donc c'était vraiment plus cette difficulté, cette manque de confiance parce que, pas parce que je ne peux pas le faire, mais parce que je suis une femme. C'était vraiment cette difficulté, sinon le reste ça roulait avec les hommes, voilà. Alors, il n'y a pas trop longtemps, il y a eu le couronnement, une sorte de couronnement de votre success story, l'État de Côte d'Ivoire. Ça y est, vous a désigné comme prix d'excellence 2023 pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. Et en quoi ce prix est particulièrement significatif pour vous? Vous avez obtenu déjà plusieurs prix toute votre carrière. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Alors ce prix représente pour moi un challenge, un nouveau challenge qu'il faut déjà se fixer. Surtout en termes de formation, de qualité des journalistes reporters d'images en Côte d'Ivoire. Parce que nous manquons de journalistes reporters d'images de qualité. La demande, elle est forte, mais il y a peu de journalistes reporters d'images formés. Ce prix représente pour moi un nouveau cachet à ma carrière professionnelle. Pour dire qu'on te voit de loin, on voit ce que tu fais et tu n'as plus droit à baisser le bras. En même temps, c'est pour moi un autre challenge pour pouvoir former des jeunes, surtout des femmes, à embrasser cette spécialité. Cette spécialité pour moi qui répond à une solution financière dans la crise médiatique que nous traversons. Vous imaginez pour une télévision, au lieu d'embaucher peut-être 5-6 personnes, on embauche une seule personne qui arrive à faire le travail de 5 personnes. Ça ne va pas détruire les autres emplois, mais ça résout en quelque sorte la question de la crise financière au sein de l'audiovisuel. Pas seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique, mais dans le monde entier. C'est un secteur qui est sinistré et c'est un secteur qui a besoin d'un nouveau modèle économique. Et je pense que le journaliste reporter d'images est une solution à cette crise, dans les médias. D'accord. Justement, on sait que la presse est en crise, hein, au niveau de la presse papier,
qui de moins en moins, il y a moins d'ouvrages tirés. Et au niveau de la télévision, nous avons les réseaux sociaux qui font un peu la guerre à cette presse classique-là. Vous, quel est votre regard sur, si je peux dire, cette avancée des choses qui, quelque part, impacte forcément la presse classique que nous connaissons? Alors, il faut faire avec la modernité. Il faut faire avec la modernité, mais il faut savoir s'adapter à la modernité. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce que les journalistes doivent savoir faire. Aussi, il faut éviter d'être les concurrents de sa rédaction. Vous allez faire une couverture, vous partez publier sur votre page Facebook, vous êtes un concurrent. Parce que vous mettez là l'exclusivité sur votre page des réseaux sociaux avant d'envoyer à votre rédaction. Il faut aussi aller chercher l'information et éviter les comptes rendus. Si on veut qu'on nous regarde, si on veut qu'on nous lise, il faut aller chercher l'information vraie et éviter de faire des comptes rendus pour remplir nos journaux. Vous imaginez, il y a une conférence de presse, une structure commerciale, vous venez faire le compte rendu, vous aurez pu faire payer à cette structure-là l'espace commercial. C'est une solution économique. Mais par contre, si je regarde, j'écoute votre conférence de presse, je peux peut-être utiliser un angle qui peut me permettre de traiter un sujet social. C'est ça l'information. L'information, ce n'est pas le compte rendu. L'information, c'est l'angle que vous allez chercher pour venir traiter la question sociale. C'est ça le rôle du journaliste. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout. Il n'y a plus d'exclusivité qui existe pour les journalistes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. On peut vraiment chercher vraiment à aller plus loin dans nos recherches, faire des analyses au lieu de rester que sur les comptes rendus. Je pense qu'on doit changer notre manière d'écrire et de travailler. D'accord. Et Madame Camara, vous êtes une femme, on le sait, et faire ce métier de journalisme, c'est assez difficile pour une femme. Alors, comment une femme gérée parvient-elle à concilier vie privée et vie professionnelle? Alors, comment on arrive à concilier vie privée et vie professionnelle? Il faut d'abord être passionné par votre métier et avoir un conjoint qui vous comprend. Avoir un conjoint qui vous aime. Un conjoint qui vous aime, j'insiste là-dessus, parce que si un conjoint ne vous aime pas, c'est celui qui ne va pas comprendre votre métier. D'ailleurs, j'ai dû merci à mon conjoint de me comprendre et d'accepter mes absences, d'accepter mes travaux nocturnes, tout ça, parce que s'il ne vous aime pas, qu'il ne comprend rien dans ce que vous faites, c'est sûr que ça sera toujours la bagarre. Et savoir être organisé. On a besoin, le journaliste est un métier absorbant. Le foyer est une disposition absorbante. Donc, si vous êtes organisé, vous êtes toujours présent au travail et toujours présent dans votre foyer sans créer vraiment de problèmes. Et surtout, savoir expliquer votre métier à votre conjoint. Parce que si vous n'expliquez pas que vous cachez des choses, qui découvre, c'est sûr qu'il n'acceptera pas. Il faut lui dire comment, quelles sont les contraintes de notre métier, quelles sont les absences qui sont souvent prévues dans notre métier. Souvent, rien n'est prévu. On vous appelle à minuit, on vous dit vous prenez l'avion à 6 heures du matin pour partir dans tel pays parce qu'il y a telle crise. Et si vous n'avez pas un homme qui vous aime, vous n'avez pas un homme qui vous comprend, c'est sûr que tout ira vraiment dans tous les sens. Sachons expliquer à nos conjoints c'est quoi notre métier, quelles sont les contraintes et savoir s'organiser sur le plan professionnel et dans le foyer. Alors, on vous a bien compris. Je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes professeur de journalisme, vous êtes patronne de presse, vous êtes rédactrice en chef, vous êtes présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire et vous venez d'être désignée prix d'excellence pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. C'est un parcours assez inspirant. Et quel message avez-vous à donner à ces jeunes filles qui, quelque part, regardent dans le miroir et vous voient à travers elles? Effectivement, ce que je veux dire à mes jeunes sœurs, quand on veut, on peut. Il faut savoir s'accepter en tant que femme et ne pas se mettre des limites, ne pas se donner des limites. Une femme, elle est comme un homme. Une femme, elle est capable de faire tout. Elle a un cerveau comme un homme. Son sang circule normalement comme un homme. Elle a un visage, elle a des oreilles. Donc, la femme est capable de faire tout ce que l'homme est capable de faire. Aussi, dit à mes sœurs, à mes jeunes sœurs, qu'il ne faut pas voir la femme comme un diplôme. Il ne faut pas voir la femme comme une compétence. Il faut savoir mettre nos compétences devant.
C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit nous mettre au devant. Non, c'est parce qu'on a des compétences qu'on doit nous mettre au devant. Raison pour laquelle je suis contre l'égalité du sexe et je préfère qu'il y ait l'égalité de chance pour que nous puissions occuper la place qu'il faut. L'égalité du sexe, c'est une discrimination que moi, je n'accepte pas. Parce que là, le sexe, on voit la faiblesse de la femme. On met parce que c'est une femme, parce qu'on doit la mettre à la présentation, elle est belle, parce que ceci et cela, non. Mais l'égalité de chance, c'est-à-dire on réagit comme les hommes et on nous donne la chance de nous exprimer. Donc, dis à messieurs, surtout, surtout, il faut savoir se donner plus de chance et la chance, c'est la polyvalence. Merci, merci pour cette interview. Merci aussi pour ces conseils avisés. Merci, Madame Akamara. Merci à vous, merci à Mehdi 1 de m'avoir invité. D'accord. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. L'information continue surtout sur Mehdi 1.